Dragoni avec son orchestre, un morceau qu'il a intitulé Tagada Dance. Nous avons fait deux chorégraphies. Une chorégraphie qui s'adresse aux thé dansants, une seconde chorégraphie qui elle s'adresse plutôt aux écoles de danse. Donc nous allons présenter la chorégraphie pour les thé dansants. Donc pour ce faire, on va faire ça de dos et vous pourrez la répéter en même temps. Le premier mouvement que j'appelle les appuyés, on part avec sa jambe droite devant à gauche, ensuite sa jambe gauche qui part devant à droite, ensuite sa jambe droite qui part elle à ce moment-là derrière, ensuite sa gauche qui part derrière aussi. Alors on va faire ça, à droite devant, gauche avant, droite arrière, gauche arrière, et on recommence encore, droite devant, gauche avant, droite arrière, gauche arrière, encore, droite avant, gauche avant, droite arrière, gauche arrière, droite devant, gauche devant, droite derrière, gauche derrière, et on a un petit frappé, quand on fait un quatrième mouvement. On recommence, donc comme dans la courée, on va le faire 4 fois. 7, 8, le premier, droit, gauche, derrière, derrière, devant, droite, gauche, derrière, derrière. Troisième mouvement, droit devant, gauche avant, droit derrière, gauche arrière. Et le quatrième, droit devant, gauche devant, droit derrière, gauche derrière, et boum. On rejoint. Le mouvement suivant, et il est facile, c'est les pas chassés. Alors on fait pas chasser à droite, on revient, et on refait encore pas chasser à droite, et on revient. Pas chasser, revient, pas chasser, et revient. Donc ça, c'est tout seul. Donc on refait le mouvement, 4 fois le premier et 2 fois le second. Droit devant. Droit devant, gauche avant, droit derrière, gauche arrière, on recommence. Droit, gauche, troisième, droit devant, gauche, droit arrière, et gauche. Et le quatrième, droit, gauche, droit arrière, gauche arrière, on recueille, et boum. Et le cha-cha, le cha-cha-cha. Le mouvement suivant, il est tout simple aussi, c'est droit devant et revient, gauche avant et revient, et on recommence, droit avant et gauche avant. On y va, donc droit revient, gauche revient, droit revient, gauche revient, et on repart sur le cha-cha. Cha-cha, pas chassé, pas chassé, pas chassé. Là, on fait son mouvement. Déjà, droit devant et gauche devant, avec une variante sur le dernier gauche. Donc, droit devant, et là, on frappe avec sa jambe gauche pour pouvoir repartir sur sa choré. Parce que là, le mouvement est complet. Et là, on part sur sa chorégraphie avec sa jambe droite devant. Droit devant, gauche, droit. Gauche. Et voilà, à vous de danser maintenant.